la semaine sanglante avait, à mon sens, longtemps occulté ce que furent les 2 mois d'action et d'œuvre de la Commune. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans mon livre sur ces 2 mois de mouvement social et de révolution, de chemin très différencié, très complexe, sans cacher les difficultés, voire les illusions. À partir du 2 avril, la guerre civile initiée par Versailles va commencer et très vite, il va y avoir des tensions terribles liées à cette guerre civile, d'autant que l'armée communarde, pour y revenir, est loin d'être sur le chemin de la victoire, même si la lutte est terrible et parfois sanglante. Donc, le climat dans lequel va se développer l'expérience démocratique de la Commune, là, le poids des circonstances est bien réel et loin d'être favorable. Jamais les guerres, et peut-être plus encore malheureusement les guerres civiles, ne sont des moments favorables à l'exercice des libertés et de la démocratie. Quels qu'aient été les conflits, on a des phénomènes de mobilisation, de contrôle des populations, de censure, etc., qui se mettent à fonctionner. Il n'y a pas d'exemple opposé à ce mode de fonctionnement. Il y a également que les Versaillais font ce qu'avaient fait les Prussiens, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à bombarder Paris. Ils l'ont déjà connu pendant plusieurs mois où les Prussiens ont bombardé Paris. C'est pas que pendant la Commune. Ils ont connu le bombardement par les Prussiens. Mais justement, l'ayant déjà connu, le sentiment d'une exacerbation, de quelque chose d'insupportable, de recommencer à vivre sous des bombardements qui peuvent se passer n'importe quand, ça crée encore ce climat de tension, parfois d'inquiétude, de repli. Nous sommes le 10 avril, cela fait une semaine que le siège de Paris a commencé. Alix et sa sœur se promènent aux Champs-Élysées. Cher père, nous sommes toujours sans nouvelles de toi grâce à ces bons ruraux. J'espère que les lettres de Paris te parviennent et que tu n'es pas inquiet de nous. J'entends dire que l'on fait courir en province les bruits les plus effrayants sur Paris, qui est pourtant très tranquille et qui n'a encore rien pillé et tué, quoi qu'en disent les Versaillais. Hier, j'ai été avec Louise voir le bombardement des Champs-Élysées. C'est toujours la même curiosité que du temps du siège. Une foule énorme se presse et chacun dit que c'est la folie de s'exposer ainsi, mais cela n'empêche personne d'y aller. Nous nous sommes approchés assez près du monument qui a reçu plusieurs obus. Heureusement, ils n'ont pas fait grand mal. Jusqu'ici, les sculptures sont intactes. Comme il était défendu de monter près de l'arc par l'avenue, nous suivions une petite rue parallèle lorsqu'un obus est tombé si près de nous que tes deux filles ont détalé vivement. Nous avions regret pourtant de ne pas avoir ramassé un éclat. Mais j'avais Louise sous ma garde et nous sommes redescendus. On voit à chaque détonation un petit nuage blanc de fumée. C'est un curieux spectacle. Il y a un certain nombre de victimes dans l'avenue. En revenant, nous avons vu un magnifique et très bien triste cortège. 5 chars funèbres drapés de drapeaux rouges sont venus chercher les gardes nationaux morts à l'ambulance du palais de l'industrie. Il y avait une foule considérable. Le deuil était mené par 4 membres de la commune ceints de l'écharpe rouge. Les tambours faisaient leur roulement lugubre, la musique jouait une marche funèbre et les obus faisaient un accompagnement qui ne manquait pas d'un certain effet. Cette foule immense était si recueillie, si silencieuse, que l'on put entendre un véritable salve de mitraille qui tombait près de l'arc et semblait donner le signal du départ au cortège. Paul était très occupé, car on va faire des barricades dans Paris. Henri a dû avec son bataillon se rendre ce matin à la place Vendôme, c'est là que l'on donne les ordres de départ. Je ne sais pas où il va être envoyé, aussi je vais y aller tout à l'heure pour m'en informer. Je prends presque tous les jours le rappel à ton intention, car je pense que les ruraux interdisent au département la lecture de semblables feuilles. Le numéro de ce matin contient des vers de Victor Hugo que je t'envoie. Adieu, cher père. Je t'aime et je t'embrasse de tout mon cœur. Ta fille, Alix. Peu après cette promenade sur les Champs-Élysées, Alix s'engage en tant qu'infirmière pour porter secours aux soldats blessés.
sous la Commune, ce qui est vu aussi comme une trahison par les gens de Paris, parce qu'il va y avoir des négociations entre Thiers et Bismarck pour faire libérer des prisonniers français qui avaient été faits prisonniers par les Prussiens, et que ces soldats-là, libérés, ces soldats français, viennent renforcer l'armée versaillaise contre la Révolution parisienne. Et puis, il va y avoir très vite un autre siège, qui est le siège de l'armée versaillaise contre le Paris révolutionnaire. Il y a quand même l'idée, à la fois de la justice, de l'égalité, de l'émancipation et du droit au bonheur. Droit au bonheur. Donc, il faut inventer. Il y a des mesures à inventer. C'est la raison pour laquelle Arthur Rimbaud, qui sera de passage à Paris, fasciné par ce qui se passe, parlera de l'invention d'inconnus. Il a dit aussi qu'il faut changer la vie. C'était pas juste un slogan qu'on connaîtra plus tard dans certains partis politiques ou dans les publicités. Il faut vraiment changer la vie. Donc, pour changer la vie, il faut organiser, il faut se structurer vraiment autrement. Donc, outre la question du ravitaillement, des services publics, de la communication, il va falloir ensuite organiser la remise des loyers, faire un moratoire des loyers pour que les gens puissent à nouveau respirer par rapport aux mesures qui avaient été prises par le gouvernement de Thiers. Et la Commune va prendre deux mesures, là encore. L'une immédiate, c'est aucune expulsion. Les expulsions sont interdites pour quels que soient les motifs de non-paiement de loyer. Et deuxièmement, prendra ensuite, après toute une série de discussions, la décision que les loyers dus pendant la guerre, tous les loyers dus avant mars 1871, disons, ne seront pas à payer. Donc, évidemment, c'est un énorme soulagement pour les familles qui... Il n'y a pas d'argent, hein, je les rappelle, à cette époque, il n'y a pas d'argent, comment payer son loyer? Par contre, la Commune ne supprime pas les loyers, hein, attention. Hein. Donc, à partir du 1er mai, le décret prévoit que les loyers devront de nouveau être payés. Hein. Ce n'est pas non plus, le logement gratuit. Qu'est-ce que le Monde Piété? C'est une institution privée avec des actionnaires qui faisaient des bénéfices. Un chiffre d'affaires annuel de 25 millions. Le Monde Piété contribuait au financement de l'assistance publique qui soutenait, entre guillemets, les indigents. Le soutien aux indigents, c'était donc donner 2 sous à des pauvres à qui on en avait pris 40. Voici en effet comment fonctionnait l'institution. Vous avez besoin d'argent, par exemple pour acheter du pain et nourrir vos enfants. Vous apportez au Monde Piété un objet qui a coûté, disons, 20 francs. On vous le prend et on vous prête 3 ou 4 francs. Vous pourrez le désengager moyennant un intérêt de 12 à 15%. Si vous ne le désengagez pas, à temps, votre objet sera tout simplement vendu aux enchères. On apporte des hardes, des objets de première nécessité. La suprême ressource, c'était le matelas. À l'époque qui nous intéresse, 1 million d'objets s'entassent dans la division des hardes des bureaux de la rue des Blancs-Manteaux. La question des Monde Piété était extrêmement sensible pour les populations pauvres de Paris. Sur 1000 engagements, 730 étaient faits par des ouvriers. Sur 1,5 million de prêts annuels, les 2/3, c'est-à-dire 1 million, étaient des prêts de 3 à 10 francs. Après l'hiver rigoureux et le siège, le chômage avait accru la misère et il y avait une réelle urgence à se préoccuper de cette question. Les Versaillais avaient remis en vente les objets déposés au Monde Piété, ce qui interdisait de les récupérer, ce qui était une situation dramatique. Un des premiers décrets de la Commune, c'est d'abord d'interdire la mise en vente de ces objets, ce qui permet de les garder. Et ensuite, il va y avoir tout un débat qui a été très long, très complexe, qui aboutit finalement à ce que non seulement les objets ne sont pas remis en vente, mais ceux qui ont déposé les objets peuvent venir les rechercher gratuitement et les reprendre gratuitement. Alors il y a un niveau qui est fixé parce qu'on pense que si des bourgeoises ont déposé des bijoux très chers, eh ben elles doivent payer pour les récupérer. Mais les outils de travail et les petits outils et les petits objets qui ne sont pas chers,
eh bien, les gens pauvres, parce que c'était les centaines de milliers les plus pauvres qui avaient fait ça, peuvent venir les délivrer. Ils avaient divisé ça en séries qui allaient venir chaque jour les chercher dans les sièges des monts de piété, et ça a commencé, mais ça s'est interrompu. Voilà, ça c'est typiquement une action sociale qui était vitale pour beaucoup des Parisiens les plus pauvres. Il y a dans le Paris de la Commune beaucoup d'étrangers, et beaucoup de spectateurs curieux, mais peu engagés dans les événements. Wilhelm Dinesen, un lieutenant de l'armée du Danemark, est l'un d'eux. Il a rejoint volontairement l'armée française pendant la guerre de 1870, et se retrouve à Paris au commencement de la Commune. Au cours du mois d'avril, je me rendis régulièrement à Versailles par Saint-Denis. À la gare de Paris, les hommes en âge de faire leur service militaire devaient présenter une autorisation de quitter la ville pour obtenir un billet. Les femmes, les vieillards et les enfants passaient librement. Si à l'époque, on rencontrait hors de Paris quelqu'un de connaissance, leur échange tenait à peu près ceci. « Quel plaisir! Venez-vous de Paris? Pauvre Paris, tout à feu et à sang. Y a-t-il encore une boutique ouverte? Avez-vous encore du gaz? Parvenez-vous à trouver quelque chose à manger ?» etc. Heureusement, la ville n'était pas telle qu'on l'imaginait de l'extérieur. Boutiques, cafés et restaurants étaient ouverts. On trouvait les marchandises et les vivres en même quantité et pour le même prix que d'habitude. Si on tombait sur une barricade, on prenait un autre chemin et on ne vous demandait même plus de déposer un pavé. Le grand public ne savait rien des arrestations. On s'était tellement habitué aux continuelles fusillades qu'on était tenté de croire que quelque chose allait de travers si on ne les entendait plus. Les rues étaient nettoyées et éclairées, et si peu de théâtre était ouvert, il avait en revanche d'autres distractions qui ne vous étaient pas données tous les jours. Les clubs dans les églises, et les concerts dans les jardins, dans les Tuileries par exemple. En tant qu'étranger, on pouvait se trouver merveilleusement bien à Paris sous la Commune, car la Commune leur manifesta beaucoup de courtoisie, ce que je ne puis qu'apprécier. En tant qu'étranger, on était un homme libre, et il n'existait probablement aucune possibilité d'être pris pour un réac, un aristo ou un rural. J'ai beaucoup développé dans mon livre justement ce climat de Paris en guerre qui est quand même en même temps très complexe parce que c'est vrai qu'il y a cette tension d'une guerre, il y a ce climat qui est créé par les bombardements qui peuvent se passer à tout moment, qui s'arrêtent, qui reprennent, on peut être au spectacle d'un coup dans les bombes qui tombent, tout le monde s'en va parce que voilà, il y a trop d'inquiétude. Mais la guerre, ça peut être le pittoresque, déjà, des gamins qui veulent aller ramasser des bouts d'obus pour les revendre. Les gens sont curieux de la guerre, on monte sur la butte Montmartre pour regarder ce qui se passe, comme on le faisait d'ailleurs pendant le premier siège, on monte sur la butte Montmartre pour regarder avec des jumelles où en sont les combats. C'est à la fois pour savoir où en est le front, mais aussi c'est la curiosité. Voilà, donc, c'est dur. La ville résonne du bruit, on attend toujours que ces bruits aient lieu. On entend aussi les bombardements et la fusillade à proximité de Paris. On entend le canon qui tonne à Issy ou à Neuilly. On entend les fusillades quand il est massif. Donc voilà, ces bruits de la guerre. Mais en même temps, il y a un quotidien qui n'est pas exactement celui que Lefebvre avait décrit en disant un peu Paris, c'est une fête pendant la Révolution. C'est plus complexe quand même. C'est pas mais il y a bien un côté quand même de Paris en fête entre guillemets, en tout cas qui veut vivre pendant la Révolution et qui la vit, donc les spectacles fonctionnent. Moi j'étais étonné de voir que beaucoup de théâtres, beaucoup de cabarets sont ouverts et un mélange de spectacles engagés, militants, mobilisateurs aux Tuileries par exemple, les concerts de la garde nationale, des bataillons de la garde nationale, voilà, où on chante surtout, il faut le rappeler, le grand chant de la Commune, c'est la Marseillaise, hein. Voilà, c'est pas l'international qui n'existe pas, celui avec lequel on va au combat en traversant Paris, c'est la Marseillaise, c'est ça leur chant, fondamentalement, ou éventuellement quelques autres patriotiques aussi, comme le chant du départ, la République nous appelle. La Marseillaise était un chant considéré comme révolutionnaire, bien sûr. C'était quand même celui des bataillons, des Marseillais sous la Révolution française. Dans la Révolution française,
C'est une grande matrice de la Commune de Paris. D'ailleurs, on va changer, comme l'avait fait la Révolution, on va changer le calendrier. On va parfois parler de l'an 79, c'est-à-dire si on prend l'an 1 comme 1792, la proclamation de la République en septembre 1792. Donc là, on est en l'an 79 et on va renouer d'ailleurs avec le calendrier révolutionnaire en parlant de Germinal, de Floréal, de Messidor, etc. Voilà la soirée de la grande ville. Les théâtres s'ouvrent, le lyrique donne une grande représentation musicale au profit des blessés, et l'opéra comique en prépare une autre. L'opéra que Michaud, le grand chanteur, n'a pas abandonné, annonce pour lundi 22 une solennité exceptionnelle où Raoul Pougnot nous donnera l'hymne de Gossec. Les artistes de la Gaîté, abandonnés par le directeur, dirigent eux-mêmes leur théâtre. Le Gymnase, le Châtelet, le Théâtre Français, l'Ambigu Comique, les Délassements trouvent la foule tous les soirs. 9h. Nous pouvons atteindre au concert des Tuileries. À l'entrée, des citoyennes accompagnées de commissaires quêtent pour les veuves et les orphelins de la commune. Pour la première fois, des femmes honnêtement vêtues sont assises sur les banquettes de la cour. 3 orchestres jouent dans les galeries. Le cœur de la fête est à la salle des Maréchaux, à cette place où 10 mois auparavant trônaient Bonaparte et sa bande. Mademoiselle Agar déclame les châtiments, l'idole, et malgré les journaux versaillais qui l'insultent. Mozart, Meyerbeer, les grandes œuvres de l'art ont chassé les obscénités musicales de l'Empire. Par la grande fenêtre du centre, l'harmonie tombe dans le jardin. Les lanternes, les lampions joyeux constellent le gazon, dansent aux arbres, colorent les jets d'eau. Le peuple rit dans les massifs. Les Champs-Élysées, tout noirs, semblent protester contre ces maîtres populaires qu'ils n'ont jamais reconnus. Versailles aussi proteste par ses fumées d'obus éclairant un blafard reflet l'arc de triomphe qui voûte sa masse d'ombre sur la Grande Guerre civile. Concerts de mobilisation, il y a des concerts culturels aussi où on fait venir des grands noms de l'époque comme Rosa Bordas, la grande chanteuse du Midi qui était vraiment l'Édith Piaf de l'époque. Rosa Bordas, Cigale Rouge comme on l'avait surnommée parce qu'elle venait du Midi, qui sente la canaille. Ou alors Madame Agar, la sociétaire de la Comédie Française qui vient réciter des poèmes d'Égide Moreau. Parfois un peu dans le bruit, parce que on n'a pas toujours facilement écouté la poésie. Mais on y voit des visées culturelles ou militantes. Mais à côté, il y a tous les théâtres privés qui fonctionnent. Du Offenbach, des pièces de boulevard, comme on dit actuellement, totalement de boulevard, qui fonctionnent pendant la Commune. Donc il y a toute une effervescence aussi de vie, qui est présente pendant la Commune, et il y a ce mélange entre cette ville en guerre et cette ville qui vit une révolution, en fait, et qui vit tout court, qui vit toujours à la parisienne, je dirais. Un certain nombre d'artistes, dont Gustave Courbet, entre autres, créent une fédération des artistes, il y a environ 300 artistes parmi eux et parmi elles, et l'idée, c'est que l'art se diffuse dans la population, que l'art sorte d'une certaine élite, qu'à la fois les artistes ne soient plus dépendants de mécènes très riches, que la puissance publique les aide aussi, mais que tout un chacun puisse aussi bénéficier de cet art, de la diffusion de l'art. On organise des concerts gratuits, on ouvre les musées gratuitement, et aussi pour essayer de libérer les capacités créatrices au sein du peuple. Donc la Fédération des artistes, c'est pareil, c'est vraiment une organisation démocratiquement forgée ensemble. La priorité de la Commune, sur le plan aussi de la démocratie, c'est d'organiser une école pour tous et pour toutes, avec les filles aussi. C'est l'idée que voilà, cette éducation, elle doit couvrir tous les domaines, qu'il n'y a aucune raison de ne réserver qu'à l'élite, à la bourgeoisie. Il n'y a pas de raison de réserver à une petite élite le rapport à l'art, le rapport à la science, le rapport à l'histoire, le rapport aux belles-lettres. Non, il faut que cette éducation soit intégrale et qu'il n'y ait pas de division entre, d'un côté, l'enseignement manuel et de l'autre, l'enseignement supposément intellectuel. Et c'est cette frontière-là qu'on veut aussi briser par cette éducation intégrale. On conçoit vraiment l'école comme une école très démocratique,
comme une école qui va être intégrale, comme on disait, une éducation intégrale. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter d'enseigner aux enfants des classes populaires du travail manuel. C'est vraiment l'idée de briser la division sociale du travail telle qu'elle existait ô combien dans les structures d'enseignement de l'époque. Et ce sont des commissions qui travaillent avec notamment les institutrices et instituteurs qui avaient déjà fondé des associations, des institutrices et instituteurs socialistes. Donc on a par exemple Édouard Vaillant, et moi je parle aussi de certaines femmes qui ont joué un rôle majeur, pas seulement Louise Michel. Par exemple, Maria Verdure, qui est une jeune institutrice de 22 ans, mais qui a déjà beaucoup travaillé pour une école qui soit véritablement une école publique, gratuite, laïque, qui soit une école pour tous, avec des méthodes qui sont aussi des méthodes qu'on juge démocratiques pour faire en sorte que l'enfant s'épanouisse, qu'on ne l'abreuve pas simplement de savoir extérieur, mais vraiment c'est un peu des méthodes pédagogiques qu'on dirait modernes aujourd'hui et très émancipatrices. Et donc il y a des délégations de ces associations qui vont discuter avec les membres des commissions pour leur proposer des projets et pour réaliser ces projets ensemble. C'est pas hop la commune qui décide de tout. Non, c'est vraiment un lien permanent. Jean Alleman, ouvrier et militant socialiste typographe, importante personnalité du 5e arrondissement de la commune, était en avril 1871 chargé par la commission spéciale chargée de la laïcisation et de l'enseignement primaire et secondaire, était chargé d'ouvrir une école dans son quartier. Après en avoir expulsé les religieux qui s'occupaient avant des cours aux enfants, après avoir fait grand ménage dans ce bâtiment laissé dans un état déplorable par ces religieux qu'il décrit comme des ivrognes malpropres, Jean Allemagne accueille enfin les premiers élèves dans sa nouvelle école, rue Rollin. Le nombre des élèves ayant répondu à notre premier appel était restreint. Parents et enfants voulaient sans doute attendre, se rendre compte de la façon dont la commune organiserait son enseignement. Et puis il y avait la campagne menée par les amis des congréganistes. Une cinquantaine d'écoliers, sur plus de 400 que comptait l'établissement, s'étaient seulement présentés et attendaient dans la cour que les classes s'ouvrissent. Je priai le nouveau directeur de les faire se placer sur deux rangs, et cela fait, nous procédâmes à une petite inspection de propreté. Les crottés, les mal lavés et mal peignés durent procéder à leur toilette. Cette opération accomplie, tous les élèves se rendirent dans la grande classe, où après un exorde très court, j'invitai le citoyen directeur à adresser quelques paroles à ses nouveaux élèves. Je dois avouer que celui-ci me parut peu enchanté de ma proposition. Il balbutia des excuses, se dit mal préparé, et comme je me tournais vers ses adjoints, j'eus la sensation qu'ils étaient aussi gênés que leur directeur. Ces hommes étaient surpris de ce qu'ils voyaient, autant que les écoliers, et avec cela hantés de la crainte du lendemain. Leur attitude n'avait rien de révolutionnaire, tout au contraire. Ils étudiaient leurs gestes et évitaient de parler, par peur de se compromettre. Combien peu de ces craintifs éducateurs étaient préparés pour la noble et haute mission qui leur était dévolue. Néanmoins, sur mes instances, le directeur se décida à adresser aux enfants quelques paroles concernant l'hygiène, le respect, la déférence que l'on doit à ceux qui vous instruisent. Il les complimenta également d'être venus quand un aussi grand nombre de leurs camarades avaient cru devoir s'abstenir. Je lui serrai la main, et maître et élève ayant pris contact, on se rendit au réfectoire. Jamais je n'oublierai la douce surprise qui se lisait sur ses douces physionomies. Comment on leur permettait d'entrer dans ce réfectoire où hier encore se tenaient les chers frères. C'était aussi pour eux cette soupe dont le fumet aiguisait leur appétit. Sur une invitation du directeur, chaque élève se plaça devant son assiette. Puis, les maîtres et moi, nous nous retirâmes dans la cour. La nouvelle concierge et une dame qui lui servait d'aide s'occupèrent de servir les enfants. Peu d'instants après, tout le monde se trouvait à nouveau réuni dans la grande classe. Je pris alors la parole. Je dis à ces jeunes citoyens combien à leur égard était grande la sollicitude de la commune et son vif désir de les voir croître en force, en intelligence et en instruction. Il faut dire à ce moment-là, il faut tout de même une considération générale s'impose, c'est l'œuvre magnifique, scolaire, de la Troisième République. La Troisième République a établi la laïcité de l'État et a enlevé aux congrégations le soin de former la jeunesse.
elle a pris ce soin pour elle, et admirablement. Dans chaque village de France, une petite école, ou même relativement grande, avec un instituteur, et un instituteur voué à sa tâche, passionné pour apprendre les éléments aux enfants des paysans du village. Et l'école était devenue un centre du village. Et l'instituteur, bientôt, secrétaire de la mairie, dirigeait toute l'administration du village. Et ces écoles ont fait les enfants qui ont été les soldats de 14. En fait, ce qui est frappant, c'est que bien sûr que nous, on a toutes et tous grandi dans l'idée que l'école laïque, gratuite, obligatoire, l'école républicaine, c'est Juppé. Donc, en général, on oublie que la première fois que l'école a été gratuite et laïque, c'est sous la Commune de Paris. Même si l'expérience n'a que duré très peu, étant donné la répression monstrueuse que la Commune a subi avec la semaine sanglante, entre autres. Mais il y a eu cette instauration. Il y a eu des cours, il y a eu des écoles, vraiment notamment une insistance sur les écoles pour les filles, la séparation aussi entre cet État et l'Église. Voilà, c'était vraiment une séparation qui instaure la laïcité. Mais de surcroît, les deux projets, celui de la Commune et celui de Jules Ferry, sont très dissemblables pour ce qui concerne l'école. Et ça, c'est d'ailleurs très bien montré dans un superbe ouvrage d'un philosophe de l'éducation, mais qui a aussi fait sa part d'historien, qui s'appelle Jean-François Duperron, dans un livre qui s'appelle « L'école de la Commune ». Pourquoi sont-ils aussi différents, ces deux projets? Parce que la Commune veut une école émancipatrice, égalitaire, intégrale. Donc, la même éducation pour tous et le refus de la hiérarchie scolaire. Jules Ferry, et il l'assume, hein, il fait deux écoles complètement séparées. Pas seulement séparation entre l'école publique et l'école privée, mais une séparation entre l'école pour le peuple et l'école pour les élites. L'école pour le peuple, elle est gratuite. D'accord. Donc, elle vise aussi à former de bons citoyens et de bons prolétaires qui sauront lire, écrire, compter, qui maîtriseront des bases pour une culture matérielle, pratique, qui, dans un monde de plus en plus industrialisé, sera un savoir et un savoir-faire utile pour être de bons travailleurs. Donc, c'est une école qui est très disciplinaire et c'est une école qui est en fait séparée de cette autre école qui est celle de la bourgeoisie, qui est celle des classes favorisées, qui, elle, ne va pas aller dans ces écoles publiques. Et Jules Ferry l'assume. En fait, il faut pas mélanger les classes sociales. Donc, les enfants de la bourgeoisie, ils vont pas du tout aller dans les écoles publiques qui sont instaurées à ce moment-là. Non, ils vont dans ce qu'on appelle les petits lycées. Et d'ailleurs, quand vous regardez les frontons des vieux lycées du 19e siècle, parfois il est écrit « petit lycée ». À Paris, par exemple, il y a ce lycée Henri IV, voilà, qui est assez prestigieux et qui a toujours gravé là, au fronton de l'une de ses entrées « petit lycée ». Parce que dès l'âge de 6 ans, les enfants des classes privilégiées, aisées, bourgeoises entre autres, allaient au petit lycée. Donc, aller dans les premières classes du lycée pour ne pas être mélangé avec les enfants du peuple. Et ils ne vont pas du tout recevoir le même enseignement. Et d'ailleurs, ils vont bien sûr, eux, faire des études, etc. Ce qui n'est pas du tout conçu par Jules Ferry. Bon, ce n'est pas du tout une école égalitaire, l'école de Jules Ferry. C'est une école qui se veut méritocratique. Mais il ne faut pas non plus oublier la dimension, encore une fois, de docilité qui est le fruit de cet enseignement, qui est un enseignement aussi colonial, hein, de nature coloniale, hein, parce que Jules Ferry, par ailleurs, c'est le grand défenseur de la colonisation. Et on peut tracer des parallèles avec la manière dont il voit les populations coloniales et la manière dont il voit les populations ouvrières et les catégories populaires dans ce qui leur est proposé. Il faut se séparer, en tout cas.
ce sont deux mondes différents. Et c'est une école de classe, en fait, au sens de classe sociale. En tant que décret étatiste, c'est la première fois qu'il existe un décret qui, de fait, établit un salaire minimum pour les firmes qui travaillent pour la commune, en pensant qu'évidemment, ça se répercutera au-delà. Mais on voit aussi l'esprit de la commune là où elle peut, parce qu'effectivement, elle agit là où elle peut. Elle fixe aussi, toujours dans le même esprit, un salaire maximum pour les employés de la ville. Parce qu'on pense qu'il n'y a aucun travail, fût-on directeur du service de la voirie, qui fait qu'on devrait gagner des sommes exorbitantes, comme le gagnaient effectivement les hauts fonctionnaires de l'époque qui gagnaient des sommes astronomiques. Tout ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur pouvoir local ou indirectement, ils agissent. La priorité des marchés donnés aux associations ouvrières, les marchés de la ville. Mais il n'y a pas de mesure autoritaire, hein, c'est des mesures d'incitation. Les contraintes de salaire minimum aux entreprises privées, qui ont un effet sur les possibilités des coopératives ouvrières de production. Donc, elle a avancé dans ce sens-là de manière assez forte. Une des mesures égalitaires que prend la commune, c'est un salaire égal pour les institutrices et les instituteurs. Donc, ça, c'est vraiment du ressort direct de la commune. Lui aussi, c'est un premier décret dans l'histoire de France de l'égalité des salaires des femmes et des hommes, qui est le décret du 20 mai 1971, juste avant, en tout cas le tout dernier décret de la commune, qui prévoit, alors qu'elles étaient payées près de la moitié moins que les hommes, que les institutrices gagneront le même salaire que les hommes, parce qu'elles font tout simplement le même travail, dit le décret, et qu'elles ont les mêmes besoins. Donc elles sont assimilées au niveau des salaires. Donc c'est la première fois qu'un décret. Il faudra attendre chez les institutrices et les instituteurs l'après-Première Guerre mondiale pour que les carrières des femmes et des hommes institutrices et instituteurs soient légalement établies. On voit toujours quand même cet esprit d'égalité qui est présent dans beaucoup de secteurs. Hein, et toujours égalité, action sociale, justice gratuite, quand on peut, même si on trouve que c'est difficile, il faut que la justice soit gratuite. Voilà. Évidemment, l'école doit être gratuite, c'est évident, en dehors du fait qu'elle est laïque, mais elle doit être aussi gratuite, accessible à tous et à toutes. Donc, il y a toujours la dimension penser à la justice sociale, penser à l'égalité qui est présente. Et ça, c'est vraiment pas des phénomènes de circonstance. Quelle que soit l'action de la commune, fut-elle limitée, ça c'est un point qui me paraît très important. Certains historiens disent mais la commune n'a pas pu faire grand-chose. Moi je réponds, je dirais qu'en 2 mois, elle a fait énormément de choses. Incroyablement énormément de choses. Qu'elle n'a pas pu développer, évidemment. C'est évident qu'elle n'a pas pu réquisitionner des centaines d'ateliers puisque le dispositif de réquisition des ateliers a à peine commencé à être mis en place, mais l'élan était quand même donné. Donc moi, je pense que la commune n'a pas une œuvre limitée. La commune, je pense vraiment l'avoir beaucoup montré dans mon livre, a avancé sur un chemin. Elle a avancé sur un chemin qui a été brutalement interrompu. Le décret du 16 avril, qui est quand même un décret très important, qui est celui de la réquisition des ateliers abandonnés, pour les donner en gestion aux associations ouvrières. Alors, c'est un décret de réquisition et pas d'expropriation. Ce que prévoyait le décret, que si les patrons revenaient, les ouvriers pourraient conserver l'atelier, mais devraient payer. Et donc là, la commune est clairement sur un chemin qu'on appellerait maintenant, il n'y a pas d'autre terme, hein, ça ne paraît pas un anachronisme hein, de l'utiliser, qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et clairement, son rêve économique et le chemin qu'elle en trouve, parce que là, elle a vraiment avancé, eh bien, ce ne sera que par l'association ouvrière que ça devra se faire. Du point de vue démocratique, ce que fait la commune, c'est comme si elle était une puissance publique qui s'appuie vraiment sur l'auto-organisation populaire. Elle s'appuie vraiment sur tout ce qui lui préexistait en termes d'association
que ce soit sur le plan du travail, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'école, sur le plan de l'art notamment, à chaque fois, les commissions, qui sont comme des ministères, mais en fait c'est plutôt des commissions de travail, ces commissions travaillent en lien étroit avec des associations ouvrières et populaires. Entrons au corps législatif, transformé en atelier. 1500 femmes cousent les sacs de terre qui fermeront les brèches. Une grande et belle fille, Marthe, distribue l'ouvrage, parée de l'écharpe rouge à franges d'argent que ses camarades lui ont donnée. Les chansons joyeuses abrègent la besogne. Chaque soir, on fait la paye, les ouvrières reçoivent l'intégralité de leur travail, 8 centimes par sac. L'entrepreneur d'autrefois leur en laissait 2. Ils ont quand même une idée qu'il faut améliorer la situation sociale des ouvriers, d'où un certain nombre de mesures sur le salaire, hein, processus qui permettrait d'étendre le salaire minimum à partir du salaire minimum des marchés publics à l'ensemble du secteur, puisqu'il faut bien s'aligner sur le mieux-disant. Donc une idée d'augmenter les salaires par ce biais, et une idée aussi sur le temps de travail, donc limiter le temps de travail. Alors, ça se fait dans certains ateliers, notamment les ateliers qui travaillaient pour la guerre, les ateliers du Louvre, où on limite la journée de travail à 10 heures, alors qu'on travaillait souvent 11 heures, 12 heures. Et évidemment, il y a ce célèbre décret, mais qui n'a pas été du tout facile. Là, c'est très intéressant, il y a pas mal de travaux là-dessus, sur la limitation du travail de nuit des boulangers. Donc là, on voit bien un processus qui est à la fois très communard dans sa façon d'être, parce que vraiment c'est venu une action sociale de la base. C'est vraiment le syndicat des ouvriers boulangers qui a su faire une pression très forte sur la commune, qui a accueilli les syndicalistes et la commission du travail de Franquet, qui travaillait constamment avec les syndicalistes, avait même associé des syndicalistes, ce qui peut d'ailleurs être complexe, hein, à son travail en permanence. Donc il y a cette pression qui va amener ce décret. Mais ce décret n'a pas été du tout évident, parce qu'une partie notable des élus qui étaient réticents, et des gens qui étaient pas du tout socialistes. Même dans ces élus républicains, il y avait des... Et donc qui disent non, il ne faut pas intervenir, l'État, non. Et puis il y a ceux qui sont proudhoniens, qui sont un peu sur la même ligne, paradoxalement. Ils sont d'accord pour que les salaires soient élevés, ou que le travail de nuit, ça interdit, mais ils disent non, c'est la corporation des boulangers qui doit régler le problème. C'est à eux de régler ça entre eux, pas à un décret d'en haut. Ce proudhonisme à ce côté-là. C'est là que Franquet tape un peu sur la table, qui était le plus marxiste des élus de la commune, et dit, mais alors, non, on a été élus par des ouvriers, il faut faire quelque chose pour la classe ouvrière. Donc, il obtient le vote du décret, mais... C'était pas, ça n'a pas été immédiat, ça a été un vrai débat. Le club Ambroise se réunissait dans l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement. Le citoyen Bagache est allé à l'ambulance Popincourt. A vu arriver des blessés qui revenaient de l'hôpital Beaujon, qui était à cet hôpital depuis 5 jours, et qui n'avait pas reçu encore des premiers soins. Le directeur se plaint qu'il y a derrière l'ambulance Popincourt une école de jeunes gens, qu'à l'heure de la récréation, des enfants viennent jouer dans le jardin qui est derrière l'ambulance. Le directeur demande que les enfants ne viennent pas jouer à l'heure de la récréation dans ce jardin. Il y a des archives de la commune qui concernent la morgue. Tous ces cadavres d'hommes avant la semaine sanglante, hein, lors des combats avec l'armée versaillaise, il y a une décision du service de cette morgue de prendre des photographies des dépouilles, parce que l'idée, c'est de pouvoir leur redonner un nom quand ils sont anonymes, de restituer la dépouille à la famille. Et du coup, on a comme ça des photographies qui sont terribles, hein, parce que souvent, il y a des mutilations sur ces corps, il y a des visages qui ont été emportés par les balles, par les canons de l'armée versaillaise. Et beaucoup de jeunes, hein, vraiment, c'est très frappant. Et donc, en tant qu'historienne, j'ai été
confrontée à une sorte de dilemme éthique, finalement, sur ces photographies, parce que je ne voulais pas exhiber ces corps. Et il y a une seule photographie que j'ai retenue, parce que cette photographie représentait un fédéré, donc, de l'armée de la commune, la garde nationale de la commune, mort, mais comme s'il dormait. Voilà, c'est une image beaucoup plus paisible que toutes les autres qui sont si tragiques, si terribles, si bouleversantes par la violence qu'ont subi les corps de ces personnes qui se sont battues dans un élan révolutionnaire. Donc j'ai reproduit cette photographie-là, comme si elle était là pour toutes les autres, et comme si voilà, il était là pour représenter en fait tous les morts restés parfois sans sépulture. Il y avait beaucoup d'artillerie à Paris, parce que avant même la commune et pendant le premier 16, il y avait eu une grosse artillerie, elle était encore là. Hein, il y a une artillerie quand même assez puissante et il y a d'assez bons artilleurs, mais elle est quand même inférieure, notamment à l'artillerie lourde que les Versaillais peuvent faire venir, l'artillerie de marine, des canons d'une puissance très, très supérieure à l'artillerie communale. Et puis, ils ne savent pas, il y a des questions d'organisation. Il faut pouvoir déplacer les canons. C'est une question d'organisation et la commune n'est pas, on pourrait dire, un exemple toujours d'organisation militaire. Hein. Il y a beaucoup de problèmes dans l'organisation de l'état-major qui ne cesse de changer, de s'organiser, de se réorganiser. Donc, ils ont des difficultés à faire déplacer leur artillerie là où il faudrait. Et ils savent pas très bien le faire. C'est une guerre de siège qui va progressivement être gagnée par Versailles. Voilà. Progressivement, l'artillerie versaillaise prendra le dessus. Et dans une guerre de siège, et là, c'est le combat d'artillerie qui est décisif. Au fur et à mesure que l'artillerie versaillaise prend le dessus, elle est en capacité de bombarder les forts tenus par les fédérés. Les fédérés, ce sont les communards, hein, ce sont les gardes nationaux, qui ne peuvent plus rester, qui doivent les évacuer. Donc, les Versaillais peuvent prendre ces forts progressivement. Quand ils ont pris ces forts, ils peuvent tirer beaucoup plus sur les fédérés, qui ne peuvent plus rester, qui doivent les évacuer. Donc, les Versaillais peuvent prendre ces forts progressivement. Descendons les grands boulevards. Au cirque Napoléon, 5000 personnes s'étagent, depuis l'arène jusqu'au faillite. De petits drapeaux invitent les pays à se grouper par département. La réunion a été provoquée par quelques négociants qui proposent aux citoyens des départements d'envoyer des délégués à leurs députés respectifs. Ils croient qu'on pourra les ramener, conquérir la paix par des explications. Un citoyen demande la parole, monte sur l'estrade. La foule applaudit millière. La paix, nous la cherchons tous. Mais qui donc a commencé la guerre? Qui donc a refusé toute conciliation? Qui a attaqué Paris le 18 mars? Monsieur Thiers. Qui l'a attaqué le 2 avril? Monsieur Thiers. Qui a parlé de conciliation, multiplié les tentatives de paix? Paris. Qui les a toujours repoussées? Monsieur Thiers. La conciliation, a dit Monsieur Dufort, mais l'insurrection est moins criminelle. Non plus de députation, des correspondances actives avec la province, là est le salut. Voilà donc cet énergumène de millière dont on nous épouvante en province, s'écriait mon ami. Oui, et ces milliers d'hommes de toutes les conditions qui cherchent la paix en commun s'écoutent, se répondent avec courtoisie. Voilà le peuple en démence, la poignée de bandits qui tient la capitale. Même si Paris est une ville très populaire, rien à voir avec la situation actuelle, il y a quand même une bourgeoisie importante à Paris, qu'on peut classiquement diviser assez justement entre des niveaux de richesse qui sont très différents. Une bonne partie de la petite bourgeoisie, finalement, au début, voit la commune d'un assez bon œil, parce que cette petite bourgeoisie boutiquière ou artisanale, elle est républicaine, fondamentalement, cette petite bourgeoisie parisienne. La commune a sa sympathie par ce côté républicain. Elle a sa sympathie aussi par les revendications démocratiques, au fond. Elle a toujours été sensible au fait que Paris n'a pas de maire, hein, que Paris n'a pas les libertés communales qu'ont eu les autres communes plus tôt, et le phénomène a duré, d'ailleurs. Donc, donner les libertés à Paris, elle y est favorable. Au début, d'ailleurs, si on inverse les choses, les communards ne sont pas contre la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'au fond, ils sont emprunts de l'idée que ce qui compte, c'est le travail. Ceux qui travaillent font partie du peuple.
à préciser, travail utile, au sens de Saint-Simon. Les militaires, les curés, la haute administration, et même beaucoup de fonctionnaires à leurs yeux, sont des gens inutiles, donc ils ne sont pas dans le peuple. Et puis, tous ceux qui vivent du profit, également, de la rente, ne peuvent pas être du peuple. Voilà. Donc c'est le travail. Donc le bourgeois qui travaille honnêtement, sans exploiter, il devrait être de notre côté, pensent les communards. En fait, ce sera plus complexe parce que on voit bien que cette catégorie de bourgeois, boutiquiers, petits fabricants, etc., va être de plus en plus réticente à la commune, hein, même si au départ, ils y sont pour une série de raisons assez favorables. Chez les communards, il y a un continuum, hein, beaucoup de ces ouvriers sont des ouvriers d'élite. Beaucoup de ces ouvriers ont la fragilité sociale, de l'absence de loi sociale, de l'absence de droit social, de l'absence de droit du travail. Donc en période de chômage, ils sont dans la misère. Mais beaucoup gagnent correctement. Hein, ces ouvriers du livre, certains ouvriers ébénistes, et beaucoup sont à la limite entre l'ouvrier et l'artisan. Hein. Eugène Potier, il est dessinateur sur étoffe, mais au moment de la commune, il a son propre atelier. Il a des compagnons qui travaillent pour lui dans le sentier. Son atelier dans le sentier. Et il travaille pour de grandes maisons. Hein. Il n'est pas un miséreux, Eugène Potier. Quand il participe à la commune et même à la création du syndicat des ouvriers dessinateurs sur étoffe. Voilà, donc il faut bien s'imaginer que les fractures de classe sont aussi très complexes des comptes. Ils sont dans la pâte sociale précise. La place de la Bastille est joyeuse, animée par la foire au pain d'épices. Paris ne veut rien céder au canon. Il a même prolongé sa foire d'une semaine. Les balançoires s'élancent, les tourniquets grincent, les boutiques écrient le bibelot à 13, les acrobates font le boniment et permettent la moitié de la recette aux blessés. Quelques gardes qui reviennent des tranchées regardent, appuyés sur son fusil, le panorama du siège, l'entrée de Garibaldi à Dijon. À la caserne du Prince Eugène paraissent les 1500 soldats restés à Paris le 18 mars et que la commune héberge sans en obtenir aucun service. Ces fainéants ne voulant être, disent-ils, ni avec Paris, ni avec Versailles. On sent bien que la population parisienne, y compris dans celle qui avait soutenu la commune au moment des élections du 26 mars, là c'était quand même une légère majorité de la population parisienne qui est derrière la commune, pas toute socialiste, mais en tout cas suffisamment ardemment républicaine pour soutenir la commune. On sent bien qu'une partie de cette population, on le voit aux élections du 16 avril, aux élections partielles du 16 avril déjà, est moins mobilisée et plus inquiète. On a tendance à plus rester chez soi. Il y a moins de gardes nationaux quand on bat le rappel qui vont se présenter pour aller au combat. On sent quand même aussi un affaiblissement de la force de la commune, même si une partie de ces gardes nationaux vont se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la semaine sanglante. Mais il y a quand même aussi un affaiblissement du moral, ce qu'on appelle le moral dans les guerres, hein, qui se mesure progressivement et qui a été sensible dès le début d'avril, lorsqu'ils ont vu que l'offensive ça marcherait pas. Voilà. Les annonces de la répression versaillaise, parfois c'est exagéré par la rumeur, hein, mais parfois c'est parfaitement vrai, que les Versaillais exécutent les prisonniers systématiquement. Ils n'exécutaient pas systématiquement les prisonniers, puisqu'une partie est à Versailles. Donc, ce n'est pas vrai, mais fréquemment, et là on a des exemples d'exécutions sommaires assez nombreuses, voire même d'exécutions de cantinières ou d'infirmières faites prisonnières. Donc ça peut jouer comme un élément de peur, hein, malgré le courage et en même temps la colère. Hein. Allons saluer les blessés de Passy. Vous savez que M. Thiers fait tirer sur les ambulances de la commune. Il a répondu aux protestations de la Société internationale de secours aux blessés. La commune n'ayant pas adhéré à la Convention de Genève, le gouvernement de Versailles n'a pas à l'observer. La commune a adhéré à la Convention. Elle a mieux fait, elle a respecté les lois de l'humanité, en présence des actes les plus sauvages. Monsieur Thiers continue de faire achever ses blessés. Voyez-les. Justement, un membre de la commune, Le Français, visite l'ambulance du docteur de Marquet, l'interroge sur l'état des blessés.
Je ne partage pas vos idées, répond le docteur, et je ne puis désirer le triomphe de votre cause. Mais je n'ai jamais vu des blessés conserver plus de calme et de sang-froid pendant les opérations. J'attribue ce courage à l'énergie de leurs convictions. La plupart des malades demandent anxieusement quand ils pourront reprendre leur service. Un jeune homme de 18 ans, amputé de la main droite, lève l'autre et s'écrie « J'ai encore celle-là au service de la commune !» On dit à un officier mortellement blessé que la commune vient de faire remettre sa solde à sa femme et à ses enfants. « Je n'y avais pas droit, » répond-il. « Voilà, mon ami, les brutes alcoolisées qui, d'après Versailles, forment l'armée de la commune. » La commune décide de prendre des otages et tente d'ailleurs d'échanger ses otages. Elle tente de négocier avec Thiers. Elle veut échanger tous ses otages, il y en a environ 70, contre Blanqui, qui Auguste Blanqui, révolutionnaire depuis 1820, qui a été enfermé au fort du Taureau, dans la rade de Brest. Et en fait, parmi ses otages, bah oui, il y a des prêtres catholiques, et puis il y a l'archevêque de Paris. Le plus généralement, ces otages, ce sont des ecclésiastiques, des sergents de ville, des figures sociales parmi les ennemis les plus perçus comme tels par les communards et les communards. Il y avait chez beaucoup de femmes et d'hommes de la commune une haine à l'égard de l'Église catholique, de certains prêtres. Ils n'ont, contrairement à ce qu'on dit, pas vraiment touché à la liberté de culte. Ils ont touché aux églises, parce qu'ils considéraient ces églises, depuis la Grande Révolution, appartiennent à l'État et aux municipalités. Donc, elle est en droit, la commune, d'y faire ce qu'elle veut. Donc, tolérer la messe à certains moments, mais utiliser ces églises comme un grand outil de vie citoyenne pour y réunir des foules considérables. Donc, ils ont maintenu, dans une certaine mesure, ce qu'ils pouvaient comme liberté, mais ce n'est pas simple. L'Église catholique, depuis le Concordat, était rémunérée. Les prêtres catholiques étaient rémunérés par l'État. Pour la commune, c'est inacceptable. Et en effet, il y a une séparation de la commune comme État et des églises, en particulier de l'Église catholique. Et de la laïcité et la présence d'un anticléricalisme qui s'est, lui, beaucoup accentué aussi sous le Second Empire. C'est vrai que souvent, ce sont les femmes qui, dans les assemblées populaires, proposent les mesures les plus radicales concernant le clergé, jusqu'à des propositions assez brutales, du genre mettre les curés au premier rang devant les gardes nationaux dans les offensives. Il y a une dimension anticléricale, parce que l'Église catholique apparaît vraiment comme l'ennemi. Parce que l'Église catholique n'a cessé de s'allier à tous les régimes qui sont considérés par la commune comme oppresseurs. Qu'il s'agisse de la monarchie, bien sûr, l'alliance du trône et de l'autel, donc l'alliance du pouvoir monarchique et de l'Église catholique, ou qu'il s'agisse de l'Empire. Alors cet anticléricalisme, il s'explique aussi parce que Paris, comme un certain nombre de grandes villes ouvrières, a connu déjà depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, un détachement par rapport à la religion. C'est une ville où il y a beaucoup d'athées, et ça c'est inconcevable dans une grande partie du pays rural. Donc avec des unions libres, voilà, on refuse non seulement l'institution sacrée du mariage au sens du mariage religieux, mais on refuse le mariage tout court. Donc ça c'est pas propre à la commune, c'est pas propre au moment de la commune. D'ailleurs il y a eu des mariages pendant la commune, mais c'est propre à un certain état d'esprit du monde ouvrier et populaire, pas seulement à Paris, mais voilà, qui est très 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 différent de certaines campagnes qui sont au contraire très catholiques, très conservatrices des traditions religieuses. J'ai aussi montré qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne sont pas du tout sur cette ligne, et que quand un curé est arrêté par la commune, ce qui arrive quand même assez souvent, on voit des femmes de la paroisse protester et aller à l'hôtel de ville demander la libération du curé. Donc, je dirais que, oui, il y a une aile avancée qui est très anticléricale, et l'anticléricalisme a cessé de croître pendant la commune. C'est aussi complexe, parce que il y a une partie des gens de la commune qui peuvent être croyants. Il y a notamment des femmes qui ont pu manifester pendant la commune,
qui ont témoigné de leur foi. Enfin, c'est, voilà, tout le monde n'est pas anticlérical sous la Commune. Là où ça peut être aussi complexe, c'est dans la finesse de l'échelle des espaces, des quartiers, des paroisses. Les églises servent aux clubs. Allons au spectacle que Paris n'a pas vu depuis 1793. 10 églises s'ouvrent et la révolution monte en chaire. Au vieux gravier, Saint-Nicolas-des-Champs s'emplit d'un puissant murmure. Quelques becs de gaz tremblotent dans le fourmillement de la foule, et là-bas, noyé dans l'ombre des arceaux, le Christ est décoré de l'écharpe communeuse. Le seul foyer lumineux, le bureau en face de la chaire, est aussi drapé de rouge. L'orgue et la foule mugissent la Marseillaise. La pensée de l'orateur, surchauffée par ce milieu fantastique, s'échappe en invocation que l'écho répète comme une menace. Il traite de l'événement du jour, des moyens de défense. Les membres de la Commune sont fort malmenés. Les votes de la Réunion seront portés demain à l'hôtel de ville. Les femmes, quelquefois, demandent la parole. Elles ont au Batignolles un club spécial où s'élèvent des paroles de guerre ou de paix. C'est tout à fait passionnant, parce qu'il y a des limites. Quand on plonge après dans la vie de la Commune, évidemment, une assemblée où il y a plusieurs milliers de personnes, comment ça peut fonctionner démocratiquement? Qui parle dans ces assemblées? Comment les décisions y sont prises? Donc on voit bien que c'est aussi des choses très compliquées. Et puis comment faire remonter toutes ces décisions qui peuvent être contradictoires d'une assemblée à l'autre? Comment faire trancher le débat? La plupart des clubs se tiennent et se réunissent dans les églises, mais parfois il y a une sorte de partage spatio-temporel dans ces églises entre les clubs et les offices catholiques. Par exemple, on fait les clubs le soir, par exemple, et puis l'office matin, la messe, ou alors on ne se sert pas des mêmes chapelles, hein, voilà, dans l'église elle-même. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que tout soit parfaitement idyllique et harmonieux, hein, parce qu'il y a des, voilà, il y a des endroits où il y a des destructions, des pillages, d'églises, et d'ailleurs, je suis tombée sur une correspondance d'un commerçant assez aisé du boulevard Sébastopol avec son fils qui vit en province. Et ce commerçant, bon, dans un premier temps, il regarde tout ça de loin, d'un peu haut, cette commune qu'il est en train de vivre. Lui, il vit à Paris. Puis plus les jours passent, plus il conçoit une haine qui ne cesse de s'envenimer à l'égard de la commune. Et en particulier parce que lui, en bon catholique, qui va à la messe au minimum tous les dimanches, mais de manière très régulière, etc., il ne supporte pas qu'il puisse y avoir des réunions de clubs dans son église, dans l'église de sa paroisse, avec notamment des femmes qui osent prendre la parole, qui parlent fort, qui ont des idées, qui se défendent, etc. Et à la fin, pendant la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, il finit par se réjouir de tous les morts qu'il voit autour de lui. Il marche dans Paris, il y a des cadavres partout. On rappelle que la semaine sanglante, c'est entre 10 000 et 20 000 morts. Et en gros, il dit que tout cela est bel et bon, que, voilà, que tout ça fonctionne à merveille. Et il sort au beau soleil du printemps de mai 71, il sort dans les rues de la ville, plein de réjouissances devant les cadavres des femmes, des hommes, et parfois même des enfants qui ont été massacrés par l'armée versaillaise. Et ça s'est notamment, pour ce qui le concerne, joué autour de la religion. Parce que, oui, la laïcisation, notamment, la commune a aussi voulu laïciser les services publics, les hôpitaux. Notamment, alors, on faisait voilà, un peu les choses de briquet de broc, hein. On cachait les crucifix, on recouvrait certaines fraises ou peintures qui représentaient le Christ ou la Vierge. Remontons les quais somnolents, dans leur calme inaltérable. L'Académie des sciences tient toujours ses séances du lundi. Ce ne sont pas les ouvriers qui ont dit « la République n'a pas besoin de savants ». Monsieur Delaunay est au fauteuil. Monsieur Élie de Beaumont dépouille la correspondance et lit une note de son collègue, Monsieur Jean Bertrand, qui s'est enfui à Saint-Germain.
Monsieur Jean Bertrand, mathématicien stérile, n'est pas pour les audaces créatrices, n'ayant jamais pu avoir un théorème naturel. Nous trouverons demain le compte-rendu dans l'officiel de la commune. Cette bourgeoisie-là, beaucoup est partie, hein. Les grands hôtels particuliers des 16e et 8e arrondissements, ils sont vides. La grande majorité avait fui déjà dès septembre 70 pour éviter le siège. Certains étaient revenus, mais dans les premiers jours de la commune, beaucoup sont partis. Et ils sont des adversaires très déterminés, évidemment, de la commune. Il y a toujours eu chez les communards l'idée fondamentale que la grande bourgeoisie est liée politiquement à l'Empire, et qu'elle a fait sa fortune par l'Empire. Voilà. C'est pas seulement par son travail usinier, c'est une richesse indue, donc ils ont obtenu par la corruption impériale. L'image morale se mêle constamment à l'image du profit. Ces profits tiennent au fait que l'empereur a accepté que telle concession devienne un monopole, que la compagnie du gaz privée a eu un monopole impérial et que du coup elle fait son beurre, pour parler comme on peut parler parfois, elle fait son beurre, même si la ville lui a mis une certaine limite au prix, on lui laisse faire des profits exagérés au détriment de l'usager. Voilà, donc un discours qui mélange très étroitement la richesse et des richesses qui sont nécessairement mal acquises. Voilà, il y a une dénonciation, l'idée de que c'est insupportable que cette richesse soit présente en contraste avec la misère qui existe. Cette coexistence de la misère et de la très grande richesse, un niveau immense, et effectivement fait partie de quelque chose que les communards et les communards ne supportent pas. Le 30 avril, Thiers, qui veut acquérir une légitimité, a décidé qu'il y aurait dans toute la France des élections municipales, à la suite donc des élections de février, la mise en place d'un nouveau régime. À Lyon, de l'espèce de complot fiévreux qui éclate. Alors, il est évident que des élections municipales, après ce qui vient de se passer, c'est la reconnaissance de Thiers contre la Commune de Paris. Nous sommes à la veille, d'ailleurs, de la semaine sanglante. Hein. Bon, la semaine sanglante commencera 10 jours après. Donc, le 30 avril, cette volonté de faire les élections. Et alors, ce que les éléments révolutionnaires vont essayer de faire, c'est d'interdire ces élections et de transformer ceci en mouvement insurrectionnel. Ça va se dérouler surtout à la Guillotière. La Guillotière qui est le foyer révolutionnaire le plus avancé. C'est à la Guillotière, à ce moment-là, que les nouveaux ouvriers de la nouvelle industrie, industrie chimique, métallurgie, il y a les fameux chantiers de la Buire, hein, qui sont des grandes usines métallurgiques. Il y a donc un faubourg où les mobilisations révolutionnaires sont encore possibles. À partir de la Suisse, il va y avoir aussi une aide. Et alors, en travaillant, moi j'ai découvert qu'il y avait eu finalement deux centres. Un centre avec Becker, de l'international un peu marxisant, et puis Outine, qui vont apporter des promesses d'une aide, d'une aide militaire qui n'aura pas lieu. Mais par exemple, l'appel à l'insurrection qui va être collé sur les murs les 20 avril 1871, ont été imprimés en Suisse, dans des émissaires qui ont été arrêtés sur la frontière suisse, mais il y en a un certain nombre qui ont pu passer, de telle sorte qu'on peut lire l'affiche, il y a un paquet, justement, aux archives départementales, on trouve encore cette affiche, qui va être un des instruments. Alors, ça va se passer autour de la mairie de la Guillotière. La mairie de la Guillotière, elle est place, c'était la place du Pont, qui était la place Péry maintenant, vous savez, il y a la grande rue de la Guillotière, et c'est là que, bon, des éléments insurgés s'emparent de la mairie. Il n'y a pas d'élection ce jour-là. Il y a une agitation à la Croix-Rousse. Il va y avoir à la Croix-Rousse une barricade vers l'hôpital actuel. Hein. Mais il n'y aura pas de bataille, tandis que des colonnes sont envoyées par la rue de Marseille
par les quais, et c'est là le moment où le sang va véritablement couler. L'état-major s'est préparé soigneusement, il a maintenant des troupes sous la main, et des troupes vont se heurter à la foule. Parce qu'il y a une foule extrêmement dense. Les gens de la Guillotière sont sortis, ils sont présents sur la place. Et lorsque la troupe arrive, c'est l'appel aux soldats à mettre la crosse en l'air. Et effectivement, ça donne des résultats. Dans un premier temps, il y a soldats qui sont sensibles aux appels qui sont donnés. Alors, à ce moment-là, le préfet Valentin va donner l'ordre de taper dans le tas. Alors, on amène du canon. Une barricade a été construite sur la grande rue de la Guillotière, donc au débouché de la place. Il y en a une autre qui était en construction sur le cours des Brosses, qui a été par la suite le dernier cours Gambetta. Et la bataille va prendre une certaine ampleur. Il y aura plusieurs dizaines de morts qu'on relèvera sur les barricades au matin du 1er mai 1871. Ce qui est symbolique à noter, c'est qu'on y relèvera un certain nombre de gens, et y compris une femme, venue de la Croix-Rousse pour se battre à la Guillotière. C'est tout à fait symbolique parce que c'est le moment où l'ancien monde ouvrier des tisseurs passe le relais, si vous voulez, à un nouveau prolétariat. Et où, dans la structure de la ville, le monde prolétarien, le monde ouvrier, qui va être le monde où va se former le mouvement ouvrier de la fin du 19e siècle, avec les organisations syndicales, avec, etc., c'est la Guillotière qui va devenir un peu le centre. Tandis que la Croix-Rousse décline, l'activité de la soierie est en déclin, parce que les usines font une concurrence à l'atelier, et alors là, à partir de ce moment-là, les choses vont changer. C'est une autre période de l'histoire du mouvement ouvrier qui va commencer. C'est un peu aussi la fin du rôle essentiel que Lyon a joué dans l'histoire révolutionnaire française jusqu'à un certain point. Il y a une urgence à faire face à ce que fait Thiers et à ce qu'il ordonne à son armée, c'est-à-dire bombarder la ville, attaquer Paris. Il y a des combats tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de morts du côté des Parisiens, du côté des fédérés. On est dans une situation très grave sur le plan des attaques militaires que subit Paris. Il faut se représenter une ville qui, en permanence, est confrontée à la canonnade. Et là, on a des témoignages très précis dans les archives à ce sujet. Et donc, l'idée, c'est de faire un comité de salut public. Mais tous les membres de la commune ne sont pas d'accord avec ça. Certains estiment qu'ils n'ont pas eu le mandat pour faire ça. C'est le 1er mai 1871 que la commune vote sur cette question. Et on peut retrouver aux archives de la bibliothèque historique de la ville de Paris les petits papiers des votes des différents mandatés, des différents membres de la commune de Paris. Certains disent non. Non, on ne veut pas de comité de salut public. Par exemple, Eugène Varlin ou Gustave Courbet, le peintre Gustave Courbet, qui était vraiment très profondément révolutionnaire, eh bien, ils votent non et ils disent nous ne sommes pas, Courbet dit, nous ne sommes pas des plagiaires, nous ne voulons pas recopier la Révolution française. Et pour eux, faire un comité de salut public, ça serait une entorse justement à cette dimension très démocratique que représente l'Assemblée de la Commune. C'est pas, hop, la Commune qui décide de tout. Non, c'est vraiment un lien permanent. Un comité de salut public qui se donne des pouvoirs d'autorité très forts. Là, on est plus dans les exigences d'une révolution en 93. L'idée des communards, c'est l'idée de la souveraineté du peuple, de la démocratie constante. Donc c'est ce côté démocratie participative, active, contrôle des élus, révocation des élus. Donc il faut que le peuple, dans la démocratie représentative, soit présent, et dans sa diversité. Par exemple, dans le 14e arrondissement, au cœur de Paris, le 4e arrondissement, la majorité des élus de la commune, de cet arrondissement, faisait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, la minorité de la commune, qui s'opposait à la création d'un comité de salut public. Et ils ont même dit, on n'assistera plus aux séances de la commune. Assemblée populaire des électeurs du 4e arrondissement, vote très large en faveur du comité de salut public et en faveur du retour de ces élus pour qu'ils siègent à la commune. Ben, les élus s'exécutent. Donc voilà typiquement le genre de choses que la commune souhaitait, c'est-à-dire que le peuple
garde sa souveraineté. Pour un citoyen, c'est un devoir d'assister à ces réunions, ces assemblées populaires. C'est un devoir pour bénéficier des droits. On doit exercer son devoir de citoyen ou de travailleur, si on est plus dans une visée sociale. D'ailleurs, c'était dit dans une des chansons de la Commune, hein, qui se conclut, et qui était d'ailleurs un des termes de la Première Internationale, pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit. Ah, ils veulent des droits. Ils veulent des droits sociaux, ils veulent des droits politiques. Mais avoir des droits politiques et des droits sociaux, ça ne va pas sans devoir. Il faut étendre les droits, mais ça suppose des devoirs. Donc, par exemple, le devoir d'aller à ces réunions. Enquête publique, référendums nationaux et locaux, conseils de quartier. En France, des initiatives existent pour favoriser la démocratie participative. Pourtant, 61% des Français ont le sentiment que la démocratie fonctionne mal. Alors, le RIC, référendum d'initiative citoyenne proposé par les Gilets jaunes, pourrait-il inverser la tendance ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on vit de toute évidence une crise démocratique. Il y a de plus en plus de gens qui s'abstiennent, il y a de moins en moins de promesses qui sont tenues par les gens au pouvoir, il y a de moins en moins de confiance tout simplement. Il y a aussi des soulèvements populaires, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais pas seulement, qui aspirent à consolider, à renforcer, à revivifier, voire à remodeler la démocratie. Hein. Par exemple, les Gilets jaunes avaient dit avec les assemblées des assemblées, des délégués mandatés, révocables, avec aussi le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, chez les Gilets jaunes, certains se sont référés à la Commune. Cette histoire, elle est très actuelle encore, sans faire nécessairement un modèle. Mais elle résonne parce que nous vivons cette crise démocratique et nous sentons que la démocratie représentative seule, ça ne suffit plus. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un colis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le poète qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons.